Bon, alors aujourd'hui, petite réception. Ça sent la mozza. Fini le fana. Donc on va bien voir ce que ça donne. On va faire un petit déballage de tout ça. Alors, petit QR. C'est propre. Switch. Bon, c'est et là, c'est le drame. Je l'ai déjà déballé, je l'ai reçu 10 jours avant. Et c'est beau. Petite sacoche. Cali, c'est propre, cuir, du moins. Pour le coup, c'est assez bien emballé, c'est protégé. 7 kilos quand même. Une bait. Le temps attendu. Putain. A passé 6 jours en Allemagne. Alors faut pas commander chez Mozza. Vaut mieux commander chez sonvideo.com ou Airsit. Même s'ils se font une petite marge. Moi j'ai commandé chez Mozza direct. J'ai reçu le volant. J'ai commandé le 16, reçu le 24 ou 25, je sais plus. Et la base, bah pas de nouvelles, rien, ils m'ont dispatché la commande en deux. Mais j'ai un numéro de suivi, j'ai tout ça. T'as pas besoin de clémenter pour l'avoir. Stickers, ok. C'est bien emballé. Encore une petite sacoche. Alim. Enculé. Alors, la bite, la bite. Putain, comparé au V2.5, ça n'a rien à voir. Ça va prendre beaucoup moins de place sur la. Paie son poids. Il y a toutes les connectiques derrière, petit filetage pour les dashboards qui vont bientôt arriver.
Hop. Ça, ok. Pas mal. Bah, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Hein. Démonter l'ancien. Ah si, celui-là, il y a le bouton power, j'avais pas fait gaffe. Ok, bon, on est sur une base aluminium. Plastique au cul. Ça pèse son poids, hein, mine de rien. 7,5 kg. Je vais pas brancher le volant maintenant dessus, parce que je vais me faire baiser après. On passe au montage.